Bonjour Paul. Bonjour. Tu es aujourd'hui donc sur le salon des vins de la gastronomie à Vannes. Qu'est-ce que ton activité? Est-ce que tu peux me le décrire? Alors nous, on est vignerons avec mon épouse. C'est un domaine qu'on a créé il y a 4 ans. On a acheté des vignes à plusieurs propriétaires et on a créé notre domaine, le domaine MP Berthier pour Morgane et Paul. On est tous les deux, on fait tout de A à Z, de la taille à la vinification, mise en bouteille et vente. Merci Paul, on va goûter alors. Allez, avec plaisir. Bonjour Valentin. Bonjour. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, les personnes sont très accueillantes, on a des très bons retours. Vous produisez du vin, quel type de vin? Des vins d'Anjou, donc tout ce qui est vin traditionnel, rosé de Loire, rosé d'Anjou, Anjou blanc, Coteau du Layon. C'est ça les vins emblématiques du domaine. Est-ce que le vin c'est une passion pour toi? Oui, ça a toujours été une passion depuis que je suis tout petit. Est-ce que goûter c'est l'adopter? Chez nous, oui. On est particulièrement satisfait cette année de la fréquentation. On est sur les chiffres de l'année dernière. On va frôler les 15 000 visiteurs. Notre rôle aussi en tant qu'organisateur, c'est de développer les animations. Entre autres, la présence d'Alain Chartier, qui fait beaucoup de démonstrations autour du chocolat, qui est sa spécialité. Vous allez retrouver 170 exposants de la nouveauté. Là, par exemple, vous allez retrouver des insectes. C'est rare sur les salons. Bonjour David. Bonjour. On est sur un stand un peu particulier parce qu'ici tu proposes de vendre des... Des télébrions et des grillons, agrémentés pour l'apéritif, curry, piment, trois légumes. Parce qu'on les déshydrate à 60 degrés pour préserver toutes les vitamines. Je vous invite à y goûter d'ailleurs. Ça ressemble à des chips. Oui, c'est pas mauvais. Hein. Très bon. Tu sais que c'est la nourriture de l'avenir. Peut-être que quand tu seras grand, il y aura ça à manger au repas. Tout est bon dans le grillon.